j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite surtout pas à t'abonner. Alors, je m'appelle Corinne et sur cette chaîne, je t'apprends à te coiffer toute seule avec ou sans mèche. Également, à prendre soin de tes cheveux. Dans cette vidéo, je vais te parler de ma boutique en ligne qui s'appelle McAfee Collection et qui verra le jour demain à 8h pile précisément. Alors, je vais t'expliquer pourquoi j'ouvre une boutique, pourquoi ce nom, qu'est-ce que tu vas pouvoir retrouver comme produit, etc., etc. Si tu me suis depuis quelques temps, tu as dû remarquer que mes cheveux sont plus courts que d'habitude et c'est tout simplement parce que je me suis coupé les cheveux il y a genre 2 semaines, quelque chose comme ça. J'ai coupé, j'ai quand même bien coupé, je pense que j'ai coupé une petite dizaine, je pense que j'ai dû couper 10 cm à peu près. Parce que j'avais envie de changer pour cette nouvelle année, pour bien commencer l'année, pour le lancement aussi de ma boutique en ligne, etc. Je trouve que c'était bon moment pour faire tout ça. Ça faisait quelques semaines que j'y pensais. Donc, j'ai fait comme un deuxième big shop, on va dire. Donc, on repart sur de bonnes bases. Et puis, voilà. Alors, dans un premier temps, pourquoi ouvrir une boutique en ligne? En fait, il faut savoir que j'ai grandi dans un environnement un peu entrepreneurial, entre guillemets. J'ai vraiment grandi dans ça. Et même pour la petite anecdote, j'ai commencé cette aventure, on va dire, quand j'avais 8 ans. Parce que quand j'avais 8 ans, en fait, j'ai commencé à faire du toffee, ça s'appelle comme ça chez moi. Bon, c'est des petits bonbons caramel, façon qu'on fait avec du lait concentré sucré. Donc, je faisais ça chez moi et je les donnais à ma mère pour qu'elle aille les vendre. Mais comme c'était un peu, c'était quand même assez dangereux parce que c'est quelque chose qui brûle assez facilement. Donc, bien sûr, j'avais l'aide de mes parents, de ma famille et tout ça. Mais reste que l'investissement venait de moi. Je sais même plus où j'ai trouvé l'argent, le capital de départ. Mais vraiment, ça m'a permis quand même de fructifier ce capital de départ-là et de faire vraiment du bénéfice, quoi. Sur le capital que j'avais au départ, et vraiment ça fonctionnait très bien. Donc j'ai vraiment commencé depuis toute petite et je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais finir par entreprendre. Dans quel domaine, je ne sais pas forcément, mais je me disais que ça allait être dans le commerce, en tout cas, que j'allais faire du commerce d'une façon ou d'une autre. Donc je vais te l'expliquer dans la suite, mais tu vas voir que ce sont des accessoires capillaires que je vais vendre. Donc pourquoi par rapport aux cheveux? Parce que tout simplement, c'est vraiment le domaine dans lequel je me sens le plus à l'aise. Donc si tu ne sais pas, j'ai coiffé des dizaines de personnes dans 3 villes de France, donc à Paris, à Lyon et à Reims. Donc j'ai coiffé vraiment des dizaines de personnes ayant des cheveux crépus ou frisés. Donc j'ai coiffé pendant 5 ans et pendant ces 5 ans là j'ai eu le temps de voir différentes textures, différentes épaisseurs, différentes longueurs, etc. Et ça m'a permis en fait de pouvoir rassembler des problématiques qui sont plus ou moins communes chez les femmes qui ont des cheveux crépus ou frisés. Et étant donné que moi aussi j'ai commencé mon aventure capillaire il y a maintenant plusieurs années, ça m'a permis également de voir un peu là où j'avais des problématiques, etc. Puisque aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que je suis totalement en phase avec le fait que j'ai coupé mes cheveux, parce que aujourd'hui je connais mes cheveux, je sais quel produit je dois utiliser ou pas, etc. Quel produit fonctionne ou pas avec moi. Et donc pour moi c'était totalement logique que j'entreprenne en fait dans ce domaine-là. Donc ensuite, pourquoi ce nom? Pourquoi McAfee Collection? McAfee, c'est un de mes prénoms qui veut dire en Mina, donc je suis togolaise et le Mina, c'est une des langues du Togo. Et McAfee, en fait, ça veut dire je louerai Dieu. Et je suis chrétienne, si tu ne sais pas, je suis chrétienne. Et pour moi, c'était totalement indispensable que Dieu soit au centre de ce projet-là. Et je trouvais ça totalement logique, en fait, d'utiliser ce prénom-là dans le nom de la marque. Donc, Collection... pour rappeler le côté collection, le côté mode, etc. Et pourquoi avec un K? Parce que j'aimais bien. Donc, comme je te disais, le lancement aura lieu demain 3 février à 8h pile du matin. Sachant que les stocks sont quand même assez limités. Si jamais tu as un coup de cœur, n'hésite pas à passer au plus vite ta commande pour être sûr de pouvoir avoir encore des produits disponibles. Et justement, en parlant des produits, je vais te les montrer tout de suite. Donc, dans un premier temps, tu vas pouvoir retrouver dans la boutique des bonnets en satin. Et en wax, je vais te montrer, tu vas pouvoir trouver 5 motifs, mais sache que dans les semaines à venir, je suis déjà en train de travailler là-dessus, mais dans les semaines à venir, tu vas pouvoir retrouver d'autres articles dans la boutique. Donc, il y a 5 modèles, voici le premier modèle qui s'appelle Shiny. Donc, ils sont tous en satin à l'intérieur et en wax à l'extérieur. Donc, le satin va te permettre en fait de garder l'hydratation, les nutriments, tout ça dans tes cheveux la nuit, puisque c'est un bonnet qui se porte la nuit, et je l'appelle le bonnet hydrate nuit. Donc ça va te permettre vraiment de garder tout ce que tu as mis dans tes cheveux la veille. Ça va te permettre de les garder toute la nuit, de préserver également tes cheveux des frottements, de la sécheresse et donc de la casse. Parce que le but de cette marque, de cette boutique, etc., c'est vraiment de pouvoir te permettre d'avoir les cheveux moins secs, moins cassants et donc plus longs. Donc je disais, ce modèle, c'est le modèle Shiny parce qu'il brille de mille feux, comme tu peux le voir. Et à l'intérieur, voilà, il est en satin ici. Donc tu as le nom de la marque McAfee Collection.
Ensuite, tu as le modèle écaille. Donc celui-là, il vous a pas mal plu apparemment, puisque j'ai déjà posté sur mon compte Instagram notamment plusieurs photos et j'ai eu pas mal de retours par rapport à celui-là. Donc je crois que vous l'avez quand même bien aimé. Donc c'est le modèle écaille. Et d'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, n'hésite pas à me suivre sur le compte McAfee Collection du coup, pour être au courant des choses qui arrivent. Ensuite, tu as le modèle Origin. Voilà, qui se présente comme ceci. Ensuite, tu as le modèle Bluebird. Pourquoi c'est des noms en anglais? Parce que je trouve que ça sonne mieux, tout simplement. Ça sonnait mieux en anglais qu'en français, donc voilà. Et en fait, un motif égale un nom. Je pense que tu l'as compris. Un motif en wax égale un nom. Et pour finir, tu as le modèle Star. Donc voilà les 5 motifs que tu vas pouvoir retrouver dès demain à 8h dans la boutique en ligne. Alors, concernant les commandes justement, pour les 10 premières commandes, vous allez pouvoir recevoir en plus de votre commande, une fiche qui vous donne plusieurs de mes secrets qui m'ont permis de ne plus avoir les cheveux secs. Parce que franchement, ce problème de sécheresse de cheveux, je l'ai vécu pendant des mois, voire des années. Je comprenais pas pourquoi mes cheveux étaient tout le temps durs, surtout à ce niveau-là. Parce que moi, en fait, j'ai des cheveux plutôt 4B derrière et sur le côté. Et à ce niveau-là, ils sont vraiment 4C et beaucoup plus... un peu plus volumineux que derrière, tu vois. Donc franchement, à ce niveau-là, j'avais toujours les cheveux hyper secs, je comprenais pas. Et ça m'a, enfin, au fur et à mesure des années, j'ai pu découvrir, apprendre. En apprenant en fait à connaître mes cheveux, j'ai pu découvrir également des astuces, des bons plans qui m'ont permis d'avoir, d'en finir en fait avec ce problème de sécheresse. Donc dans cette fiche-là, je te récapitule tous mes secrets qui m'ont permis de ne plus avoir les cheveux secs. Donc ça, c'est vraiment pour les 10 premières commandes. Donc les 10 premières commandes qui seront passées sur le site recevront en plus de leur commande cette fiche-là avec tous ces secrets-là. D'ailleurs, en parlant de ça, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter. Le lien se trouve en barre d'infos. Et en t'inscrivant à la newsletter, tu pourras recevoir un cadeau de bienvenue simplement qui te donne 5 secrets pour avoir les cheveux longs. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder dans les commentaires. Et ensuite, tu recevras un mail de ma part, une newsletter tous les 1er et 15 du mois. Donc si par exemple là, tu n'étais pas abonné, tu as raté la newsletter d'hier. Donc hier, c'était le 1er, donc la newsletter est partie, tu l'as ratée. Mais t'inquiète pas, le 15 prochain, il y aura une autre newsletter qui va arriver. Donc c'est vraiment deux rendez-vous que je te donne par mois, le 1er et le 15 de chaque mois. Je t'enverrai une newsletter pour te donner des conseils, des astuces, des bons plans. Tout ça dans l'objectif que tu n'aies plus les cheveux secs, que tu n'aies plus les cheveux cassants et donc que tu aies les cheveux plus longs. Alors, je voulais également te montrer un petit peu comment tu vas recevoir ton colis. Donc, il sera envoyé dans un premier temps dans des enveloppes comme ceci, parce qu'en fait, j'en ai encore une vingtaine, une trentaine. Donc, pour les premières commandes, ça partira dans ce genre d'enveloppe-là, vous savez, avec des papiers bulles à l'intérieur. Mais comme j'essaye de me mettre dans une démarche plus éthique, après que j'ai vidé en fait ce stock-là, je ferai les envois dans des papiers, dans des enveloppes ou dans des cartons directement, dans des enveloppes en carton ou alors dans des cartons carton quoi. Donc voilà, mais dans un premier temps, je vais évacuer en fait ce stock là parce que ça sert à rien que je le garde chez moi. Mais étant donné qu'il y a du plastique et tout ça et que voilà, j'essaie de me mettre dans une démarche plus éthique, je vais écouler ça et puis après je me mettrai vraiment dans le carton. Donc voilà, et sinon à l'intérieur ton bonnet sera attaché de cette façon là, donc dans ce petit pochon qui va te permettre de pouvoir te déplacer avec facilement, même de ranger ton bonnet plus facilement. Voilà, tu sais que tu le mets dans ton pochon et puis il est aussi abrité, on va dire. Donc voilà, tu recevras ça comme ça à l'intérieur. Et bien sûr, attends, ne bouge pas, attends, je te montre ça tout de suite. Tu recevras également dans ton colis, bien sûr, la carte de visite qui est comme ceci. Si tu me suis sur Instagram, tu l'as déjà vu. Et également la carte de remerciement, donc que j'écris toujours à la main parce que je trouve ça super important de vous écrire un petit mot à la main, comme ça pour vous remercier de votre commande et tout ça. Donc voilà, tu recevras ça. Alors, je vais juste rajouter quelque chose que je n'avais pas pendant que j'étais en train de filmer, alors que j'ai filmé genre là, il y a 10 minutes. Hein. Mais du coup, quand j'ai fini de filmer, je suis partie regarder dans ma boîte aux lettres et j'ai vu que j'ai reçu ça, que j'attendais depuis... pas depuis longtemps, mais j'ai envie de les recevoir cette semaine, mais plutôt dans la semaine, enfin bref. Donc c'est des étiquettes McAfee Collection que je vais coller sur ton colis, comme ça dès que tu reçois ton colis,
T'avais pas besoin de l'ouvrir, tu sais que c'est moi, tu vois. Donc voilà, je suis trop contente. Donc voilà, tu vas aussi pouvoir retrouver ça sur ta commande. Tout ça dans ton colis. Et si tu fais partie des 10 premières commandes, tu recevras également la fiche avec tous mes secrets pour ne plus avoir les cheveux secs. Ah oui, alors où est-ce que je livre? Je livre partout. Voilà. Et en termes de prix, donc je vais aussi vous parler du prix, bien sûr. Donc, il faut savoir que dans le prix, bien sûr, il y a tout ce qui est le prix de l'achat, l'envoi, etc. Parce que je ne coupe plus moi-même, donc je l'ai fait coudre, en fait. Tout simplement, je délègue à une autre personne pour avoir le temps de pouvoir plus communiquer avec vous. C'était vraiment ça le plus important pour moi, avoir vraiment le temps de communiquer avec vous, partager avec vous. Et sur Instagram, si tu me suis, tu peux voir que je mets pas mal de contenu gratuit, je donne pas mal de conseils, etc. Toujours dans l'objectif de ne plus avoir les cheveux secs ni cassants, mais d'avoir les cheveux qui plus longs, du coup. Donc je voulais vraiment avoir ce temps là de dégager pour pouvoir prendre ce temps pour communiquer avec toi, pour parler avec toi, te donner des conseils, etc., etc. Donc dans le prix, bien sûr, faut compter ça, faut compter tout ce qui est impôts, taxes, tout ça. Faut compter également tout ce qui est packaging et tout. Donc le prix de ces bonnets est de 17,90€. Et il faut rajouter les frais de port qui sont de 1,99€ en France métropolitaine et qui varient ensuite selon là où vous trouvez, en fait, tout simplement. Donc voilà. Et par rapport aux frais de port, faut savoir que plus vous en achetez, plus les frais de port sont réduits, en fait. Voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, voilà. Et je pense que sinon j'ai fait le tour d'à peu près tout ce que je voulais vous dire. Si après tout ça tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires directement ou à me retrouver sur Instagram ou sur Facebook. Je suis aussi sur Facebook. Je parle beaucoup d'Instagram, mais je suis également sur Facebook au même nom, ma Café Collection. Donc n'hésite pas à me retrouver dans les DM sur Instagram de préférence parce que je suis plus présente sur Instagram, mais alors sur Facebook, si tu n'as pas Insta, il n'y a pas de souci, tu peux me retrouver sur Facebook et m'envoyer un DM tout simplement si tu as des questions, des choses comme ça, des points sur lesquels tu voudrais des précisions, quoi. N'hésite pas. Sinon, la vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça t'a plu. J'espère que tu seras là demain à l'ouverture à 8h pile. N'hésite pas à mettre ton réveil si jamais un des produits t'intéresse, puisque comme je disais, les stocks sont limités. Et c'est pas dit que les mêmes motifs reviennent après, surtout. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Moi, j'ai super hâte, je suis super pressée qu'on soit demain et que la boutique soit enfin ouverte. Et puis voilà, en tout cas, j'essaierai au maximum de partager aussi les backstage, etc. Peut-être comment j'envoie les colis, des choses comme ça. Donc s'il y a des choses comme ça qui pourraient t'intéresser comme vidéo, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Donc voilà, la façon dont les colis, comment je les envoie, etc. Voilà, s'il y a des choses par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à la boutique en ligne et tout ça, par rapport aux produits qui t'intéressent, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire et à me donner des idées de vidéos aussi par rapport à cette thématique là. Je me ferai une joie de faire ça. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si t'es pas encore abonné, en cliquant sur ma tête juste là. N'hésite pas à aller regarder cette vidéo ou alors cette vidéo. Et puis moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo et à demain sur la boutique en ligne. Ciao.